Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les choix, en voilà trois. Au menu, poulet trois façons. Les mois principaux sont bien sûr le poulet, des cuisses et des poitrines sans peau désossée. La première façon sera à la moutarde, deuxième à l'érable, donc sucré salé, et la troisième au poivre. Il y aura d'autres éléments, on les verra au fur et à mesure. Maintenant, le ménage. Le ménage terminé, je vous présente HelloFresh. Le voilà. Avec HelloFresh, le souper c'est réglé. Je m'explique. Vous pouvez choisir votre menu sur mesure sur le site direct sur l'application mobile HelloFresh. Au menu, chaque semaine, il y a 21 nouvelles recettes, toujours avec un Nutri-Score A ou B, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. L'heure du repas n'a jamais été aussi simple. Livrez simplement vos ingrédients frais avec des instructions. Vous pouvez faire livrer votre boîte au créneau de livraison de votre choix, même le week-end, donc impeccable. Donc cuisinez, régalez-vous, les instructions sont très simples. Tout est expliqué sur l'application ou sur la fiche recette, étape par étape, donc pas besoin de chef à la maison. Cet abonnement est flexible, vous pouvez vous désabonner ou mettre une pause à votre abonnement, quand vous le voulez, et reprendre l'abonnement sans problème. Et si vous voulez moins de recettes par semaine, c'est aussi une option. Et il sélectionne des produits de qualité locaux, donc de chez vous, donc impeccable. Donc pour ce faire, cliquez sur le lien en dessous pour bénéficier jusqu'à 85€ de réduction sur vos 4 premières boîtes HelloFresh avec la livraison gratuite. Donc que du bonheur, mon code c'est chefmichel85, valable en France et au Benelux. Il est valable pour les nouveaux clients et pour ceux qui ont arrêté leur abonnement depuis au moins 6 mois. Maintenant revenons à nos moutons, c'est-à-dire le poulet. Première étape, le poulet à la moutarde. Le bol ici, moutarde ici, cuillère, deux bonnes cuillères, une, deux, cuillère à la plonge, moutarde au frais, sauce sriracha, un trait, thym, celui-ci est sec car le frais était mort, donc comme ça. Ail haché, gardé dans l'huile d'olive, une bonne cuillère, huile d'olive, et on mélange. Ça sera la marinade, le fouet on le secoue, et la marinade on la réserve. La version à la moutarde sera les cuisses, la planche ici, les cuisses ici, cuisses tournent, on passe au mode chirurgie, couteau de chirurgien, on dégage l'os, ça aidera la cuisson, jointure coupe, pilon on ouvre, le poulet en réserve, deuxième cuisse pareil, le gras est ici, on coupe comme ça, pilon on dégage, on ne désosse pas, on fait juste faire une incision de bord en bord de l'os pour aider à la cuisson. Impeccable, une troisième opération terminée. Maintenant marinade, plateau comme ça, marinade, tourne retourne, une deuxième, la marinade on la fait rentrer à l'intérieur, et pour mariner un poulet ou un canard avec la peau, on met la peau en dessous, ça aidera la marinade de rentrer à l'intérieur. Troisième, même système, marinade à l'intérieur, celui-ci a été oublié, on en met un peu comme ça, l'excédent par-dessus, la cuisse comme ça, et l'excédent par-dessus. À ce stade-là, le bol, les mains, la planche, le couteau à la plonge. Le poulet va mariner, pas confortable, et on va le faire mariner une heure, donc le poulet au frais. Le poulet à la moutarde aura aussi des oignons, les voilà, la poêle pour le faire cuire. Oignons en table, coupe comme ça. Les oignons dans la poêle. On continue. Oignons, poêle. Et je vous reviens quand c'est fini. Dernière moitié. Le bol, c'est fini. Le couteau au repos, on égalise. La poêle comme ça. La mise en place du poulet à la moutarde est terminée, on passe à la deuxième. La deuxième est à l'érable, ça veut dire oignon vert, on part et on émince assez finement. Enfin, ma version à l'érable peut se faire aussi au miel. C'est assez. Oignon vert dans le bol vert. Tout le monde est sauvé, impeccable, le couteau à la plonge et les mains à la plonge. La troisième version sera au poivre, donc échalote, bol, échalote comme ça, coupe 2. Et on émince finement. On émince. Échalote dans le bol. Deuxième. Dernière. Échalote dans le bol. Pour les versions sucrées et au poivre, le poulet vient ici, poitrine comme ça. Et on va les quadriller.
ça aidera aussi à la cuisson. Poitrine tourne en quadrille. Une de fête, on la réserve. Deuxième, même système. Ces incisions aideront à la chaleur de rentrer à l'intérieur. En quadrille, ça fait deux impeccables. Troisième, pareil, en réserve. La dernière, en réserve. Sel, poivre. Et le tout en réserve ici. Mes trois poulets seront servis avec des frites. Donc, qui dit frites dit mayonnaise. Le récipient ici, un œuf. Moutarde, une cuillère. Moutarde au frais. La table 55 aime le piquant. Sauce sriracha, comme ça. Citron, coupe 2. Passoire. Et on presse sans se presser. C'est suffisant. Le tout à la plonge. Machine miracle. Et on branche comme ça. On prémixe. Huile végétale. La machine miracle a fait des miracles. On secoue. On vérifie les miracles. En effet, c'est un miracle. Elle est dure comme de la pierre. Le miracle, on le goûte, super nickel. Et le miracle, au frais. La mise en place terminée, on commence par la cuisson de la moutarde. Le sac compostable, c'est fini. Comme indiqué ici, ça ira au compost. La poêle est prête. Les cuisses par-dessus. Une troisième. Maryse, on récupère la rescapée, comme toujours. Plaque à la plonge. Vin blanc sec, à hauteur des oignons. Mon four était préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Le poulet au four. Et on a pour 45 minutes. C'est parti. Et je vous reviens en 30 minutes pour le reste. Comme prévu, après 30 minutes, je suis de retour. La poêle ici, on va commencer la sucrée. Je suis à 200 graisse de canard, une bonne cuillère. On égalise. Et pour la farine, de bord en bord. On secoue le poulet dans la poêle. Deuxième poitrine, pareil, dans la farine. Tourne et retourne sur les bords. On secoue et le poulet comme ça. La farine, c'est fini. On va laisser cuire comme ça environ 3 minutes. C'est parti. Après 3 minutes, le poulet tourne. Et c'est reparti pour 3 minutes. Après 3 minutes, le poulet tourne. Le feu, on le baisse. L'ail, deux bonnes cuillères. L'ail est bien coloré, sirop d'érable. Sauce soja, faible en sel. Le poulet tourne et retourne. Un peu de poivre. Ça commence à caraméliser autour, c'est bon signe. On fait un tourne et retourne, on fait une réduction, on laisse environ 2 minutes comme ça. La sauce a bien réduite, les poulets on les tourne, couvercle, on réserve et on passe à sel au poivre. La poêle est chaude, graisse de canard, une bonne cuillère, comme toujours on égalise. Maintenant on fait sel au poivre, le poulet comme ça, assiette plonge et on a pour 3 minutes, c'est parti. Après 3 minutes, le poulet tourne. Et maintenant, on a pour 3 minutes. Il reste 2 minutes, cognac. En flamme. On tourne. Impeccable. Échalote. Bol plonge. Et on va faire suivre les échalotes. Pendant ce temps, poivre craqué. On torréfie. C'est un peu sec. Cœur de canard. Et rebelote, cognac. Tourne, retourne. Vin blanc. Réduction. La réduction est prête. Crème champêtre, celle-ci, 35%. Comme ça. On égalise. Le poulet tourne et retourne. Et on fait une réduction. Donc, comme je dis toujours, c'est réduction, réduction, réduction. On goûte pour le sel, un peu plus. Sel. On regoute, super nickel. On égalise, réduction, tourne et retourne. La sauce est bien réduite,
Le feu, on l'éteint. Couvercle. Et on laisse reposer. Celui-ci, ici. Celui-là, là. Celui à la moutarde devrait être prêt dans le four. On vérifie. Super nickel. Coloré, croustillant, impeccable. Le tout est prêt. Maintenant, on ne va pas manger que ça, mais des frites. Donc, friteuse, feu à fond. Enfin, ce n'est pas une friteuse, mais un chaudron en alu avec de l'huile. Le sac au compost. Frites, comme ça. Et dans des blanchis, bien sûr. Encore un peu. Tourne et retourne. Après 3 minutes, ça devrait être prêt. En effet, c'est prêt. Encore 2-3. Le feu, on éteint. Contrôle de la qualité. Papier, on retire. Recontrôle. Super nickel. Le bol. On met tout. La sauce, mayonnaise. Cuillère, plonge. Les assiettes, ici. On commence par le poulet à la moutarde. Le voilà. Cuillère à trous. Les oignons, ils sont très jolis. Genre caramélisés. On égalise. Une cuisse, ici. Et l'autre, ici. Pour la photo, on va mettre ça comme ça. Le restant, on réserve. C'est le poivre. Le couvercle à la plonge. La sauce, comme ça. Le poulet, par-dessus. La sauce, on la réserve. C'est à l'érable, la voici. Le couvercle, on le retire. Oignon vert, par-ci, par-là. Sur la sauce. Le poulet au poivre, ici. Sauce, comme ça. Troisième pince. Le poulet, comme ça. Et celui-ci, comme ça. Un peu de brillance. On arrose. Terminé. Trois différentes versions. Moutarde, poivre, sucré, salé. Donc maintenant, c'est à vous de choisir dans les commentaires. Mademoiselle, vous n'avez pas le choix. Il faut travailler. On enlève. Et merci à vous qui me suivez en Bretagne. Et partagez ce bail.